c'est important de s'occuper de ses abonnés. De se dire de ne pas se décourager. Qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent prochainement. Mais souffler dans une mitaine, c'est un bon truc, par exemple. Ça aide. OK. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste dire à mes abonnés de ne pas se décourager. Il y a d'autres stocks qui s'en viennent intéressants sur ma chaîne YouTube. Là, présentement, il fait à peu près moins 10. En attendant, je vais ce qui va suivre avec cette vidéo, c'est une petite vidéo d'automne. Alors... De l'autre côté, comment c'est vous?
Bon. Bon, on se revoit plus tard. Après mon souper. Avant-dernière journée, je commence à pacter le stock, fermer la roulotte tranquillement, pas vite. Brasseur du monde, la soifée blonde triple belge. C'est le temps de la pause. Aujourd'hui, c'était une journée assez nuageuse. Là, il pleut. Là, présentement, il pleut. C'est la fin de semaine où je ferme la roulotte. Fin de semaine de l'Action de grâce. J'avais espéré une plus belle température. Quand même, on profite de l'air frais. Ça fait du bien. Quand tu habites en ville puis tu peux avoir quelques journées de congé à l'air frais, en nature, ça vaut la peine. Comme on dit, au Québec, on crachera pas là-dessus. Il doit faire à peu près 6-7 degrés Celsius présentement. Un petit peu de pluie. Ouais. Ouais, on va se mettre à l'abri. Ah, il y a un long hiver qui s'en vient. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire autre chose l'hiver. J'ai
fais du vélo l'hiver, donc je vais essayer de vous amener dans mes petits parcours l'hiver en ville quand je vais travailler. Okay, je vais essayer de trouver une façon de filmer ça quand je suis à vélo. L'année passée, je l'ai fait, il faisait moins 15, moins 20. Le plus froid que j'ai fait, c'est moins 25 Celsius à vélo, mais les pistes cyclables sont bien dégagées à Montréal. Alors, ça va bien. Alors, à suivre, là, pour ceux qui veulent voir mon vélo d'hiver, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous faites ce que vous voulez. Oh, on m'apprend à l'instant que j'ai un abonné de plus sur ma chaîne YouTube. Je serais rendu à 3 abonnés. Donc, merci à tous. Et si vous avez des dons à faire pour me soutenir, gênez-vous pas. C'est dur de vivre avec une chaîne avec seulement 3 abonnés. Oups, faut que je tourne à droite. Donc, merci à mes 3 abonnés de me suivre sur ma chaîne YouTube. Alors, j'espère que ce qui va suivre va vous satisfaire en attendant que je poste d'autres vidéos. Alors, merci et à bientôt!